Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un de mes bands favoris. C'est un band que j'adore. Et dans le fond, c'est un band qui est mondialement reconnu au Québec. Et dans le fond, je considère, pour moi, c'est mon band préféré québécois de tous les temps. Je trouve que malgré qu'on fait de la bonne musique au Québec, je trouve humblement qu'il n'y a rien qui accote ce band-là. Et ce band, c'est Groovy Aardvark. Groovy Aardvark. Oups. Ouais. C'est un band qui faisait de la musique punk rock majoritairement, mais qui avait beaucoup d'influences de différents styles de musique. Une des bonnes influences qu'il y avait d'ailleurs, c'était le rigodon québécois. Ils ont fait des chansons comme Le Petit Bonheur, pas non, Petit Bonheur, j'ai dit Boisson d'Avril, qui est sur l'album sur lequel est sorti. Il la faisait avec le chanteur Yves Lambert, qui était l'ex-chanteur de La Bottine Souriante. À l'époque, je pense qu'il était le chanteur de La Bottine Souriante. Il est parti plus tard, je ne me trompe pas. Mais ouais, dans le fond, il mixe quand même une couple de genres ensemble. Dans le fond, c'est un band qui a commencé en 86. Et qui dans le fond a runné jusqu'en 2001, si je me trompe pas. Puis après ça, genre 2011, 2016, ils ont fait des shows comme les Francofolies ou des trucs comme ça pour t'sais, un genre de pour fêter, pour se regrouper, puis t'sais, faire raviver la flamme de la coolitude. Et dans le fond, leur premier album était en anglais. C'était Eater's Digest. C'était uniquement en anglais. Puis après, dans le fond, ils se sont dit que, t'sais, parce que, t'sais, dans le fond, à cette époque-là, ils ont fait justement, c'était en 91, les années 90, le punk rock était vraiment très, très, très populaire. Autant le punk rock, mettons, alternatif, t'sais, du style, je sais pas moi, comme Grimmskank au Québec, je pense qu'ils sont sortis un peu en même temps, mais mettons, même à l'international, des bands comme Lagwagon, Bad Religion, Pennywise, des bands qui étaient bien, bien populaires. Puis au Québec, justement, il y avait un mouvement des années 90 qui est sorti, qui était très punk rock également, donc des bands, t'sais, un peu metal peut-être des fois aussi, t'sais, comme Grimmskank, il y avait Anonymous qui était sorti, Vulgaire Machin, je me rappelle plus si c'est comme. Je pense que c'est un petit peu après. Mais ouais, c'est ça. Puis Alien Scabs, t'sais, Barf, c'était toutes des bands très populaires aussi à cette époque-là. Fait que, ils ont été un peu les pionniers d'un mouvement au Québec de groupe punk rock qui faisait de la musique en français. Justement, d'ailleurs, avec leur deuxième album, excusez-moi, le deuxième album Vacuum, qui était un de leurs gros albums, je dirais. Oups, là, j'ai accroché. Ça a shaké un peu. Ouais, Vacuum était un gros album pour eux autres parce qu'il y a trois de leurs chansons qui étaient devenues des hits, t'sais, qui ont passé beaucoup à Musique Plus à l'époque, puis qui étaient même populaires. Donc, il y avait la chanson La Boisson d'Avril, comme je parlais tout à l'heure, qui était comme le très gros succès. Il y avait également, voyons comment ça s'appelle, je me suis trompé avec tantôt en plus, la chanson. Ils ont fait un remake de la chanson de Félix Leclerc, Le Petit Bonheur, dans le fond. Puis ils l'ont fait en collaboration avec le chanteur de Barf. Fait que dans le fond, sur cette chanson-là, c'est pas Vincent Peake, le chanteur de Groovy, qui chante, c'est le chanteur de Barf. Et ils ont fait également la chanson Dérangeant, que d'ailleurs est disponible sur YouTube, vous pouvez regarder. Là, ils ont quand même une couple de clips là-bas que vous pouvez voir. Et sur Spotify, ils sont là. Fait que, dans le fond, vous pouvez voir là, la majorité de leurs albums sont là. Je pense qu'il en manque un ou un, peut-être. Je ne me trompe pas. Je pense que c'est Fast Time at Longueuil High qui est pas là. Longueuil High. En tout cas, tout ça pour dire que ouais, Vacuum a été vraiment un gros. Un très bon succès pour eux autres. Ils ont quand même propulsé là, dans l'œil et les oreilles des gens. Et après, il y a l'album Orichterop. Dans le fond, ben, tu sais, Vacuum puis Eater's Digest, je les avais à l'époque, mais je les avais pas en CD. T'sais, les années 90, c'était comme beaucoup les cassettes. C'est ceux de ma génération, vous allez savoir, les vieilles cassettes qu'on mettait dans les Walkman. Je les avais en cassette, puis malheureusement, je n'ai jamais pu les retrouver en CD après ça. Puis avec les années, bon, les années,
on perd des choses, on déménage d'une place à l'autre, puis il y a des trucs qui se perdent. Fait que je les ai plus, malheureusement. Mais bon, il y a comme l'album après ça, il y a l'album Oryctérop qui est sorti, qui est un très, très, très gros album également, qui a des super bonnes chansons dessus, comme Téléthargique qui est là-dessus, Saint Matériel, super bon, Amphibien. J'ai beaucoup d'appréciation aussi pour la chanson Congère. Super bonne chanson également. Fait que c'est déjà un band à écouter. Mais leur meilleur album, selon moi, encore une fois, c'est l'album Exit Stage Dive. J'ai plus la pochette, malheureusement. J'ai juste le CD, genre, parce que, bon, encore une fois, j'ai cet album-là depuis 1999, genre. Fait que, tu sais, j'ai perdu la pochette avec le temps. Puis même, il est un peu graffiné, je pense. Je sais pas si on peut le voir, là. Il est comme un peu graffiné. Puis il y a des chansons qui sautent dessus. Je suis ben, ben, ben triste de tout ça, mais j'ai essayé de le faire resurfacer. Puis des chansons qui sautent encore un peu, ça me fait chier. Puis j'ai essayé de le recommander, mais pour l'instant, il se fait plus. Il est sur Spotify, par contre. Fait que quand je veux l'écouter, je l'écoute là majoritairement. Puis sinon, je l'écoute dans le char. Puis je skip malheureusement les chansons qui ne marchent plus. Mais cet album-là est vraiment débile. Tu sais, dans le fond, c'est comme un best-of de leurs meilleures chansons, dans un sens, mais c'est un concert qui, dans le fond, qui a été pris à plusieurs concerts différents. Puis, tu sais, c'est comme autant quand sur CD, sont top, sont excellents. Live, c'est comme, ça dépasse, genre, le cadre. Tellement que c'est comme vraiment malade. Leur énergie est comme vraiment débile. Puis j'ai eu la chance de les voir en spectacle deux fois. Je les ai vus une fois en spectacle avec Grim Skunk. Et une fois aussi dans leur tournée d'adieu, que c'était un show à l'Abbaye dans le Lac Saint-Jean. Saguenay, Lac Saint-Jean plutôt, excusez. Et c'était des shows incroyables, c'était mémorable, c'était vraiment écœurant, genre. Puis justement, live, c'est qu'ils ont tellement une énergie intense qui fait que c'est comme, t'as pas le choix d'être dedans, genre. Puis c'est la force de leur musique, selon moi, ce que j'aime le plus d'eux autres, ben, en fait, c'est tout. Tu sais, c'est comme, mélodiquement, je sais pas si ça se dit, j'invente peut-être un mot, ou mélodieusement, tu sais, ça sonne super bien. C'est comme, il y a des riffs qui sont vraiment catchy, puis tu sais que t'as le goût, genre, quasiment de danser, mais t'as quand même une énergie un peu plus punk rock agressive, mais sans être trop intense. C'est comme vraiment juste drivant. T'as le goût, genre, de t'écoutes ça en char, puis c'est comme ça, c'est nice, là, ça pompe, genre, c'est vraiment cool. Puis leurs paroles, c'est comme dur à décrire, mais surtout quand ils font des chansons en français, ils ont quand même une façon de former leurs phrases qui est comme pas nécessairement pareil comme les autres. Il y a des chansons plus intenses, comme mettons Téléthargique, justement, que je parlais tout à l'heure. Moi, c'est une chanson que j'adore, mais c'est une chanson qui autant a un message, puis comme parle de quelque chose de vraiment de précis. Ben, tu sais, la manière que c'est écrit, c'est comme, tu l'écoutes de même, c'est dur à comprendre. Mais c'est pas dur à comprendre dans le sens que c'est comme, ah, qu'est-ce qu'il dit? Tu comprends bien les paroles, mais tu fais comme, tu sais, il faut que tu y penses pour dire, ok, c'est ça que ça veut dire. C'est comme, il parle de telle affaire, mais tu as vu que ça change tout le temps de beat. C'est comme, dans le fond, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris, de ce que j'en avais lu, c'était que, dans le fond, c'était l'histoire quasiment d'un gars qui est devant sa télé, puis tu sais, qui est léthargique, mais c'est comme télé pour, t'sais, une télé, puis targique, mais c'est comme pour léthargique. Puis t'as un gars qui est comme devant, genre, sa TV, en train de rien foutre, puis il a juste changé les postes de la TV. Puis dans le fond, toutes les paroles, c'est les différents postes de télé qu'il regarde. Enfin, dans le fond, c'est comme ça suit pas, mais ça revient quand même. Fait qu'à un moment donné, tu comprends la logistique de la chanson, genre. C'est vraiment cool, mais tu sais, c'est ça. Des fois, t'as des chansons comme le Saint Matériel, qui a vraiment un message, là, environnemental précis, mais encore une fois, c'est pas des paroles plates comme hey, arrête de polluer! Tu sais, c'est juste bien formulé du fait que c'est comme mélodieux, puis si t'as le goût de danser, puis d'être dedans. Mais en même temps, tu fais comme, l'apport du message est comme aussi fort, puis beaucoup plus intéressant, et est beaucoup plus percutant, selon moi, que juste dire trop directement le message. C'est comme j'aime moins ça, cette affaire-là. En fait, tu sais, leur chanson est vraiment, j'aime vraiment leur poésie, la façon que leurs paroles sont faites. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est définitivement un band que je conseille, là, beaucoup. Pour une note un peu plus personnelle, j'ai eu la chance,
J'y ai pas parlé, mais j'ai croisé à un moment donné Vincent Peake, le chanteur, ben, l'ex-chanteur de Groovy, parce que maintenant, bon, le band s'est séparé, comme je disais plus tôt, là, ils ont fait chacun leur chemin. Je pense que le chanteur Vincent Peake, dans le fond, il est rendu bassiste pour Grimmskunk. Je pense qu'il a fait une couple de band avant avec ça aussi, mais là, il est beaucoup plus avec Grimmskunk. Puis Martin Dupuis, puis les autres membres du groupe aussi, sont comme dans d'autres bands. Mais dans le fond, ouais, c'est pour ça que je dis l'ex-chanteur. Dans le fond, je l'ai rencontré une fois. Je m'en allais genre dans un Tim Hortons, dans le fond, je pense que c'était à Sainte-Hélène, je me trompe pas. Puis je me suis comme arrêté, puis en me parquant, je me suis parqué genre devant le Tim Hortons, puis il y avait un gars qui était dos à moi, qui avait un manteau, puis c'était marqué Groovy Hard Rock en arrière. J'ai fait, mon Dieu, ben, ce gars-là est bien cool, tu sais, c'est comme c'était il y a 2-3 ans, là, cette affaire-là, 3-4 peut-être. Mais c'est comme, j'ai fait, mon Dieu, c'est bien nice que quelqu'un ait hanté un truc de Groovy, genre, je vais lui dire qu'il est cool, là. Fait que je rentre en dedans, puis quand je rentre, je regarde, c'est comme, c'est Vincent Peake de Groovy Hard Rock, puis Grimmskunk. J'ai fait, oh shit, puis c'est avec deux autres personnes. Puis là, j'étais un peu starstruck, dans le fond, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est lui, genre, c'est comme, ah là, je te l'ai à la caisse, là, je regardais, puis comme j'avais le goût d'y parler, mais en même temps, je me disais, tu sais, il y a d'autres choses à faire que ça dans la vie, tu sais, comme il rentre en conversation avec d'autres mondes, puis là, il se lève, puis il s'en va, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, finalement, c'est comme, tu sais, en bon québécois, j'ai chié dans la pelle, j'ai pas osé, fait que, ouais, j'aurais dû, mais bon, c'est la vie, ça, j'ai mal réagi. Mais c'était vraiment cool, c'était nice. Mais comme je dis, si j'ai la chance, si maintenant ils font un autre show, maudit que j'aimerais ça hier, justement parce que les shows qu'ils ont refait, j'ai été au courant, mais j'habitais genre super loin de là, puis comme ça fitait pas, j'ai pas pu y aller, genre. Mais bon, tout ça pour dire, Groovy Aardvark, meilleur band québécois, rock'n'roll!